Chers amis, bienvenue dans une nouvelle édition Sport CEPAM. Nous comptons ensemble avec vous. Dans l'édition Jodia, nous parlons des points en cours. Excusez-moi, l'élimination de l'équipe haïtienne qui a perdu place, les montées, même année à redescendre encore dans la Ligue A. Et puis, il n'y a pas de chance pour aller jouer à Copa América. L'équipe haïtienne dans l'autre course poursuit encore chercher un nouveau entraîneur pour le mettre à la tête de la sélection nationale pendant que l'autre équipe a préparé. Mais nous-mêmes, nous avons recommencé tout le temps. Donc, nous espérons que le nouveau entraîneur qui a venu à la tête de la sélection là a fait une bonne gestion, a gagné un bon plan de jeu qui a fait l'équipe nationale là aller jouer éliminatoire Coupe du Mondial avec un meilleur visage. Donc, nous connaissons comment l'équipe haïtienne a tombé dernier match face à l'équipe Jamaïque, la 3-2. Côté, on a fait un match dans match à Aléa 2-2. Et puis, nous tombé 3-2, bien que nous avons ouvert le score là par l'intermédiaire de Pierrot. Et ensuite, à en combinaison entre Sainte, Pico, Sandra et puis jeu de tête, un coup de tête de Pierrot. Et c'est pas suffisant pour que nous t'ayons gagné. Équipe visiteuse là, parce que nous avons joué, c'était match pas non l'été, égalisé. Et puis, nous connaissons la suite là en fin de match. Et nous jouons un goal pour nous réduire ce score là, mais qui n'est pas suffisant. Même un match nul, nous avons toujours éliminé. Mais au moins pour l'histoire, tu as retenu que nous avons fait deux matchs là avec l'équipe à Jamaïque là. Donc on a fait tout terrain d'Europe ensemble avec tout parce que après et fenêtre FIFA a fini fermé jeudi mardi à et championnat européen y a pour reprendre et puis on a regardé quelques équipes qui déjà qualifiées pour prochaine compétition Coupe d'Europe qui a pas déroulé en Allemagne. Et nous disons merci ou même qui pral garder nous pour première fois, pour énième fois, ou même qui garder nous, qui abonner, merci pour appréciation, ou même qui pas abonner, tant pis, n'a pas demandé ou pour abonner, partager et puis remet comme ça, Sport CEPAM à aller plus loin. Donc, équipe haïtienne n'a éliminé, li pas en course encore, tout le monde tourne la caillou, équipe haïtienne n'a en droit pour les gagner, yon l'autre entraîneur qu'on y a là, parce que bilan Calderon n'a pas satisfaisant. En 7 matchs, il a fait 1 seule victoire, 3 nuls, 3 défaites. Et donc, nous pas le temps de, ils ont extrait des déclarations de Télépine au micro de journaliste radio fédération et donc presse fédération et plutôt donc on parle tant des déclarations de monsieur Calderon toujours dit Télépine mais c'est quelque chose non dans ces derniers matchs qui puisse nous permettre d'avoir la victoire, cette victoire qu'on veut tous, non? Les joueurs, le staff, les dirigeants, le peuple haïtien en général, c'est normal. On a ce sentiment, non, qu'il manque toujours ce petit détail. Bon, le football, c'est un sport très complexe. Franchement, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de détails qui ont un impact direct sur la performance. Des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut être conscient de ça. Nous avons commencé avec une belle victoire face au Qatar. Et après, c'est vrai qu'on a eu soit des défaites, soit des matchs nuls. En tout cas, tous les matchs, je peux dire, qui ont été très compétitifs. Aucun match, on peut dire que l'adversaire a joué facile. Donc là, de ce côté-là, je suis très content. Et surtout aussi, ce que je suis satisfait, fier, c'est la capacité d'adaptation qu'on a eue comme équipe, comme staff, comme joueur, comme fédération, comme tout. Je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés de disponibilité de joueurs, de voyages, d'endroits où s'entraîner, où jouer. Mais malgré ça, on a pu avoir une équipe compétitive, on a pu faire des matchs de très haut niveau. D'ailleurs, je pense qu'on a eu beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner si on aurait eu un petit peu plus de chance et face au but. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'occasions de but, pas seulement contre le Suriname il y a deux jours, non, mais aussi contre le Honduras en Gold Cup, on aurait pu marquer plusieurs buts. Aussi contre Cuba, on aurait pu marquer plusieurs buts. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile à marquer des buts, c'est pas facile à être efficace. Toutes les équipes aujourd'hui... Elle souffre beaucoup pour gagner, on le voit dans notre groupe qui est très serré au niveau des points entre les équipes, mais aussi partout au monde. C'est clair qu'il y a une évolution dans le foot où les favoris, ils sont plus favoris. Là, il faut voir dans le terrain chaque jour, chaque semaine, c'est là où on voit vraiment.
C'est comme ça, donc, nous sommes des Calderon Abdia. Et des fois, nous ne pouvons pas garder match à même genre avec Calderon parce que les Lydie équipe là, il y a un petit détail qui fait que nous ne pouvons pas gagner, mais nous voyons que c'était un pile détail. Les nous mettons ensemble qui fait un pile bagaille qui fait que nous ne pouvons pas gagner une équipe compétitive. Jean, et Jean Calderon en voulait faire nos quoi là. Donc, étant comme je dis, monsieur, il prend nous pour des cons, pour des imbéciles, les gens qui parlent en rien en football parce que. You know, bon, s'il sorti côté le sorti a, et puis c'est lui-même qui a entraîné équipe là, nous pas joué un bon entraîneur garçon pour nous bas équipe là. Donc c'est ça qui fait le prendre nous comme ça. Donc c'est un pile bagaille que équipe haïtienne a manqué. Donc équipe qui souffre pour y gagner, pas trop de difficulté passer ça que équipe Jamaïque la témité pour l'été gagne face à Suriname, nous pas qu'à gagner Suriname mes amis. Donc dis-moi que ou pas gagner une équipe qui gagne un plan de jeu bien défini. Donc c'est assez simple comme ça. Donc le quoi fait moun koué comme ça aurait les ou déjouer mai moins ou fait koué un bagage qui passe. Donc équipe haïtienne nan li pat au rendez-vous. Donc deux projets équipe haïtienne nan li tombé fort dans tous les deux. Donc c'est dommage à recommencer pour l'équipe haïtienne. Donc nous tout tendez Jean Delépine en fait nous connaît. Donc nous-mêmes n'a réfléchi pour ça nous t'a regardé à est-ce que ça Delépine. Oh mon Dieu, c'est pas Delépine, c'est Calderon. Donc ça Calderon voulait faire nous croire est-ce que c'est ça nous souhaiter que l'équipe haïtienne nan, la joigne un entraîneur qui vient avec un bon projet. Donc côté monsieur yo y a qu'un envie de jouer, il y a pas il y a jouer avec tout yo même, il a respecté et plan de jeu que entraîneur a bayo a. Et comme ça, Haïti a renoué avec la victoire. Donc, c'est comme ça. Et Guéan Pile, non, qui a cité déjà, mais nous-mêmes, nous pas connaît. Si Fédération, pas bon, nous pas connaît, nous pas cité, non. Pour yon va dire n'a travail pour so en so. Nous pas travail pour personne monde. Donc, nous seulement gen des entraîneurs que nous capables dire bon et pour qui ça tel entraîneur pas joindre chance li da moi-même t'a pensé si que yo vini avec on l'autre blanc encore eh bien mettez un autre entraîneur haïtien avec lui même Jean yo fait pour équipe féminine yo mettez Marc Auger avec Gonzalves. Donc là si Gonzalves ta allé déjà gen yon monde qui pourra assurer intérim nan qui pour faire maintenance en équipe là en attendant que on head coach vini. Donc nous t'a souhaité que yo fait même bagarre là avec équipe garçon hein. Donc il a choisi moun yo vle parce que yo même yo connaît entraîneur qui souterrain. Donc c'est comme ça. Il y a quelques nouvelles en bref, il y a Messi avec Beckham, il t'a aimé que gagne un autre joueur de l'équipe de Barcelone qui vini dans Inter mais il y a beaucoup dévoilé qui est ça. Et puis ici CR7 avec Mané qui a fait les beaux jours de Al Nassr. Donc monsieur Saïe entend très bien pour yo marquer goal pour Al Nassr. Et toujours ici CR7 qui passait devant Messi dans footballeur il est capable de dire tout athlète confondu qui a touché plus encore selon Forbes qui c'est un média qui plus dans finance dans économie et donc si CR7 c'est lui-même qui en tête kounye là avec un paquet de millions donc monsieur Lee passé devant Messi et Al Nassr et bat une sorte de record côté à lui-même seulement et il gagnait Ronaldo, il gagnait Mané, il gagnait Karim Benzema, il gagnait Neymar donc dans compétition ça seulement dans top 10 ou bien en top 11 là il y a gagné 4 joueurs des joueurs qui est mieux payé. Donc à l'heure actuelle si CR7 a touché 260 millions et donc Messi derrière lui
avec seulement 135 ans. Donc, Messi gagne un bon petit route hein, pour le faire, pour t'arriver à 261 pour ta devancer si R7. Donc, nous parler en championnat européen, mais avant ça, pour ça, nous parler dans Comebol, puis près nous, côté quatrième journée à jouer, dans troisième journée, à nous connaît que Brésil fait une demi-défaite et une demi-victoire pour l'équipe Venezuela. Venezuela, dans le temps, côté équipe qu'on a fait beurre, là où tu as besoin quelques goals, c'est sous Venezuela qu'on a le prendre. Qu'on y a là, et Venezuela dit non, ça finit, parce que ils mettent Brésil en échec souterrain, la caille Brésil, un goal de chaque côté. Donc, et après match ça, t'es gagné Neymar qui pas vraiment passé une bonne soirée parce que public brésilien était vraiment fâché et était lancé des objets sous Neymar. Et Rodrigo, le jeune brésilien, était venu à la rescousse. Il dit en dépit des critiques, Neymar était un joueur clé de l'équipe brésilienne. Est-ce que Neymar a profité de ça pour tout quitter l'équipe Brésil là, tant qu'on l'était fait pour l'équipe PSG, parce qu'il t'a dit c'est parce que Mounio était fait mal de avec la Lacali, elle fait stupide, et puis l'équipe là qui a perdu bon joueur, et puis il est quitté. Donc, non pas qu'on est, est-ce que Neymar a pris prétexte ça pour lui tout mettre le dehors dans l'équipe Brésil là. Donc, c'était troisième journée, quatrième journée. On est à continuer à souhaiter à mardi. Venezuela, après, ça, c'est un moral qui est en hausse parce que l'on kembe en échec l'équipe du Brésil à domicile. Ça, veut dire, ça veut dire. Donc, en Venezuela, à recevoir Chili. Un match qui t'a censé finir déjà. Donc, Paraguay a gagné pour lui jouer face à. Face à Paraguay à recevoir Bolivie, Équateur à recevoir Colombie, Uruguay à recevoir Brésil, Brésil qui est pas gain droit pour lui faire un piètre résultat encore, et puis l'équipe de Argentine qui était battue à Paraguay un goal à zéro, score étriqué mais victoire quand même, et qui balie 3 points, et ça qui fait lui kembe tête en classement. Argentine avec 9 points en première position, Brésil derrière avec 7 points, Colombie 5 avec 5 points en troisième, Uruguay avec 4 points, Chili 4 points en 5e, Venezuela en 6e position, et Venezuela là dans le temps qui était qu'on occupait que camionnette là qui quittait pour Bolivie fois ça avec 0 point mes amis. Pérou, mes amis, très, très bas, en 9e position, avec un seul petit point. Et donc, gardez côté Venezuela, il y a avec 4 points et yo en 6e position. Donc, c'est comme ça et situation présentée. Donc, après journée, jeudi mardi, qui à 4e journée, à Kenyan, yon 5e journée le 16 novembre, et puis après le gagnant, yon choc des chocs. Nous connaît deux équipes, ça y aussi toujours les abjoués, c'est garçons pas campés, c'est causé, c'est derby dans Sud-Amérique là. Donc Brésil, attend Argentine, la Cali pour 6e journée, hein, une journée qui a fait le 21 novembre hein, prochain. Donc, et entre-temps, Brésil a qu'un temps pour lui refaire mettre Morali au beau fixe parce que et match nul, ça que le fait face à Venezuela, pas vraiment avantageux, et le Brésil était sacré lié. Hein. Donc, l'AB gagne le temps pour lui rattraper lui pour y aller rencontrer l'Argentine pour 6e journée le 21 novembre prochain. Et puis on allait en Europe pour nous dire que il y a des équipes qui déjà gain ticket dans la poche pour y aller jouer Coupe d'Europe là et qui a fait en Angleterre t'es gagné des matchs assez intéressants qui t'es fait et
pendant fenêtre FIFA, c'était huitième journée, un pile belle match, hein, mais nous pas baou et tout résultat yo, n'a pas au résultat, nous pensons qu'il t'a capable beaucoup plus intéressé, yo, et un coup Angleterre qui bat l'Italie 3-1. Italie a été ouvri score là depuis 15e minute et puis Kane vient prend avantage là pour équipe anglaise là, donc Kane qui a marché très bien, et ni dans club li Bayern Munich ni dans la sélection, donc c'est très bien pour Harry Kane. Autre résultat intéressant, c'est l'équipe de la Grèce hein, qui tombait la Cali face à la Hollande en goal à 0. Et puis la Norvège hein, qui perdu la Cali encore face à l'Espagne. L'Espagne, c'est une équipe qui gagnait ticket pour y aller jouer pour prochaine compétition ça, et bien que guérité deux journées pour compétition a fini, mais déjà pour position dans le groupe a déjà qualifié. Danemark qui bat San Marino 2-1, et San Marino pas veut dire grand chose pour nous, c'est pas vrai, mais Danemark lui-même donc il allait prendre victoire lui, et puis et c'est comme ça. Autre match intéressant, c'est la France qui était déjà fait une victoire déjà, et donc l'équipe de Suisse qui fait un score 3-3 avec Bélarusse. Donc c'est comme ça, Coupe d'Europe là, et les matchs qualificatifs, donc il y a pas avancé tout doucement, mais sûrement pour être capable de boucler, pour être capable d'aller jouer compétition ça qui a pas déroulé en Allemagne. Donc, nous passons dans Comebol ensemble avec vous. Maintenant, pour terminer, on allait dans différents championnats européens. Nabcadé avec vous, et c'est à 9e journée en France. Paris Saint-Germain a recevoir Strasbourg. Olympique Lyonnais a recevoir Clermont, Lille a recevoir Stade Brestois, Toulouse a recevoir Stade de Reims, et puis autre match, Le Havre a recevoir l'équipe de Lens. Nous pour aller en Italie pour nous dire que l'Inter a déplacé Caia Torino, Sassuolo a recevoir Lazio, et Roma à recevoir AC Monza. Et puis derby journée le 22, c'est l'équipe de Milan qui a recevoir la Juventus, la vieille dame, et puis Fiorentina a recevoir Empoli. Donc on dit l'autre équipe Milan, il y a déplacé Caï Torino, il y a un bel match aussi. Dans le Bundesliga, commence à présenter Dortmund, c'est à 8e journée, Dortmund a gagné pour lui recevoir Werder de Brême. En Bayern Munich a déplacé Mainz 0-5. L'équipe de Union Berlin a recevoir Stuttgart, et puis Leipzig a déplacé pour l'aller Kaya et Darmstadt. Et puis on allait en dans l'autre compétition qui a et en Angleterre. C'est à 9e journée en Angleterre, et l'équipe de Liverpool a joué face à Everton, un match qui a supposé intéressant. Arsenal, Chelsea, qui a supposé derby journée, Chelsea qui a recevoir, et Manchester City a on l'autre bel match encore, bon, à recevoir Brighton, et puis l'autre équipe de Manchester United, qui en dents de scie à recevoir Sheffield, plutôt à Kai Sheffield United, et puis Aston Villa à recevoir West Ham. Et puis pour nous finir, n'abdou que dans la Liga, des matchs
qui t'a supposé et porter un pile animation des matchs assez intéressants comme ça, assez disputés. Côté Nabkeyen, deux rivaux, Real Madrid qui a en déplacement Kaisevi et puis Barcelone lui-même qui a recevoir Athletic, l'autre équipe de la ville de Madrid lui-même la paix et Kai Celta qui pas et veut dire trois grands bagages. Donc mais nous connaît l'on a joué la caillou ou gain droit pour faire la victoire parce que c'est la caillou ou gain public ou nous ouais comment et ça fonctionner c'est teaser boule nous connait bagaille. Donc équipe yo les a déplacé yo pas vraiment et avantage terrain hein, pas pour yo public là pas pour yo donc c'est pour yo dégager pour yo gagner équipe là la caillou et puis al gagner la caillou tout dans match retour donc Real a prend déplacement Kai Séville et puis l'équipe de Barcelone a pas recevoir et c'est à 10e journée déjà en Espagne comment classement présenté en Espagne Real Madrid en tête avec 24 points il y a deux longueurs sur équipe Genoa et puis Barcelone avec 21 points en 3e position Atlético en 4e et puis Athletic en 5e position. Chers amis, c'est comme ça édition jodi a fini. Nous disons merci ou même qui t'es resté avec nous jusqu'à présent en minute et donc nous disons à bientôt pour une autre édition Sport CPAM, either live ou bien différée.